Salut tout le monde, ici c'est Floffy, j'espère que vous allez tous bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude, et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de Pokémon Prism, où nous sommes au Bourg Palette, la ville où nous étions arrêtés la dernière fois, et je voulais vous montrer un petit truc, c'est ça, hop là, attendez, hop, on va aller par là, hop, on va rentrer dans la, ouais, vers la réserve, bah je vais y aller à la réserve, non tu peux pas en fait, d'accord. Alors vous voyez ici, il y a pas mal de Pokémon, là vous voyez Grolem, Scizaiox, Nidoking, Arcanin, Nidoqueen, ça vous rappelle peut-être les Pokémon de Régis, là vous voyez Macronium, Noirfang, Krabos, Ferrisson, Grignot, Caiminus, Ekrapins, Mustéboué, Bulbizarre, voilà, je vais pas vous faire la liste non plus, mais c'est tous les Pokémon de Sacha, enfin pas tous mais la grande majorité, il y a Scarino, il y a Magmar aussi qui était à Régis. J'avais pas vu ça la première fois, je crois. Mais c'est vachement classe. Il y a Ronflex, il y a... Ouais, il y a tout, c'est génial. Franchement, je kiffe. C'est super beau. Et là, on a deux maisons. Maison de Red. Mais j'ai l'impression qu'on n'avait pas été ici. Maison de Blue. La maison de Blue qui est ouverte avec Nina. Afin d'écrire une nouvelle thèse, comme mon frère n'est pas là, j'ai toute la maison pour moi. Je me souviens pas avoir vu ça la première fois. Pour moi, on avait été peut-être ici. Je sais même plus si on était ici. Si, on était ici. Hein. Enfin, voilà, c'est plutôt cool, je trouve, ce petit clin d'œil. Là, il y a un objet. Ah non, c'est juste un bug. D'accord. Autant pour moi, c'est un bug graphique. Donc, on nous avait dit qu'il y avait un petit problème à l'avant-ville. Comme quoi les gens devenaient dingues. Donc on va aller checker ça, mais comme j'ai pas de Pokémon qui volent, on va devoir attendre un petit peu. Je vais juste aller en chercher un à Jadiel. Parce que je crois pas qu'il y ait PC à Bourg Palette. Stock. Oh me dis pas, tu vas me faire chier aussi toi. Mais pousse. Mais putain. Je fais comment? Ah il y a la poste, je crois. Je crois qu'il y a un PC là-dedans. Non, il n'y a pas de PC. Oh non, me dis pas qu'il n'y a pas de PC. Oh, dis-moi qu'il y a un PC quelque part. Oh, mais bordel, me dis pas que je dois... Oh, mais j'ai pas de Pokémon qui volent. Vous m'emmerdez, les mecs. Mais pourquoi vous avez foutu un mec devant le PC? Je fais comment? Faut que je retourne au Bourg Palette, vous pensez? Oh là là. Pourquoi ça marche jamais quand je veux préparer un truc? Est-ce que je peux pas, de chez moi, c'est pas possible. Je suis sûr que non. Ouais, pousse-toi, toi. Hop. Ça, c'est la maison à qui? Maison de Floffy. Bon, bah, c'est chez moi, ici. Mais c'est qui, elle? Tu t'amuses bien avec tes animaux? Ouais, d'accord. Oh, il t'a donné un Pokémon, d'accord. Alors, est-ce que je... Bah, je pense pas que je puisse accéder à... Hein. Me dis pas que c'est la... Mais bon... Quoi? Attends. Vous voulez un Curly? Vous voulez un Curly? Non, mais le respect, il est mort, quoi. Dis-moi qu'il y a un PC là-dedans. Que je peux utiliser. Mais je... Putain, je suis obligé de retourner à Krabos aussi. J'en ai marre. Oh là 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 là, mais quelle idée débile quoi. Oh, il faut des repousses. Tout pour m'énerver. Tentacruel niveau 40. Tu m'en fous, je m'en fous, tu m'emmerdes. Casse-toi. Je fous des max repousses. Hop là. Pourquoi? Mais si on peut sprinter. Ah mais c'est génial en fait ça. Je sais pas pourquoi j'avais pas découvert ça plus tôt. Hop, allez le PC, dis-moi qu'il est accessible. Merci. Hop, on va déplacer Pikachu, on s'en fout. Contre Rapace de Pique, voilà. Miaou. Envole-moi vers l'avant-ville. Envole-moi vers l'avant-ville. Pour toute cette fatalité qui... Pour toute cette débilité qui colle à ma peau. Bon, qu'est-ce qui se passe, les idiots, là? Hop, on va reprendre notre Pikachu favori. Hop là.
Mais il nous a dit qu'il y avait une connerie à l'avant-ville, mais... Mince, où ça? Ok. Allô? Ah! Ah! Je crois que nous avons trouvé... Bonjour. Je suis le gardien de la porte magique. Écarte-toi ou tu seras bientôt au Magikarp. Ouais, je crois qu'ils sont tous devenus fous en fait. Allô? Blou blou blou, ouah. Ils ont une crise d'épilepsie ou quoi? Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Et je suis censé faire quoi, moi? Hihihi, chat. Chat. Mais pousse-toi, mec. Casse-toi! Ah, d'accord. Ah, je peux l'emmener quelque part, vous pensez? Y a pas un moyen où je peux l'emmener quelque part. Le foutre dans un coin. Ce n'est pas ce que vous pensez. Est-ce que même les habitants sont devenus fous? Non, pas tous. Ah, oui. Ohayo gozaimasu. Ouah, cette gamine me rend folle. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je suis censé faire quoi? Est-ce que l'arène est ouverte? C'est fermé, on entend les bruits. Bon, bah, c'est pas ici que je dois faire quelque chose. Là-dedans, peut-être, monsieur Fuji. Dis-moi, tu ne trouves pas que les gens sont bizarres? Quoique. Quoi, une fréquence est émise et les rend fous? C'est fort possible. Et comme je suis vieux sourd, hein. C'est protégé par. Mais maintenant que tu le dis, il est vrai que j'ai vu un groupe d'hommes en blanc venir avec une télécommande bizarre. Mais c'était il y a longtemps, un mois environ. Est-ce que tu connais Chibana? Oui? Ah, c'est parfait. Elle en connaît beaucoup à ce sujet. Je dois trouver Chibana, c'est ça? Trouver Chibana. La connaissance, elle a dû partir dans un endroit reculé où elle peut se concentrer. Il est peu probable que tu y sois déjà allé. Bon, bah je crois qu'on va les laisser dans leur état encore un petit moment. Est-ce que c'est une bonne idée de s'envoler jusqu'à Jadiel? Étant donné qu'on peut pas utiliser de PC. Alors, attends, on va regarder les quêtes. Trouver Chib. Ah, c'est une quête principale. Ouais, si, c'est une quête. Parler à Shibana. Elle est dans un endroit reculé que vous n'avez pas encore visité. Alors à tous les coups. Alors attends, on va parler un peu aux autres parce que. Wow. Une fois j'ai un freeze, c'est bizarre. Alors à qui on pourrait parler? Genre à toi. Des gens sans cœur abandonnent des pots des mains. Ouais d'accord. Ok, donc c'est pas toi qui nous dira quelque chose. Si jamais tu trouves. Ouais d'accord. Toi. Toutes les. Ouais. Non, il n'y a personne qui peut nous aider maintenant. Toi. Fais quelque chose, bouge, toi. Toi, peut-être. Plus en plus, ouais, d'accord. Ok. Il doit bien y avoir quelqu'un qui. Toi. Je suis le spécialiste des noms. Non, on s'en fout. Lui, il n'est pas devenu fou, par contre. Hein. Tout se passe bien. T'as vu ta tête? D'accord. Ok. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut nous aider là-dedans? Je vais tout acheter! Alors, est-ce que t'es devenu fou aussi, toi? Ouais. Ça, ils ont mis. Ils ont bien mis tout le monde un peu con. À qui je peux parler, toi? Non, je t'ai déjà parlé à toi. À qui j'ai pas parlé? Toi, peut-être? Blablabla, d'accord. On n'est pas dans la merde. Bon! Bah là, je sais pas. Aller dans un endroit reculé où je ne suis sûrement pas allé, Andy. Donc là, je peux pas accéder au PC. Comment ça marche? Bah casse-toi, je vais te montrer. Y a du monde ici. Ouais, je fais un échange. Tu sais qu'il y a des... D'accord. C'est fermé, vous devriez peut-être se... Oh non! Ok. Alors, oh d'accord, lui il a pop comme ça. Ma fille passe trop de temps, ouais, d'accord. Mes parents me disent que j'ai trop de temps sur la vie. J'ai pas... D'accord. On va essayer de trouver ce qui se passe. Ça c'est quoi ici? École de Jadiel. Bah ouais, il est... Oui, il est juste un peu 22 h donc... Salut.
Oui. C'est un cadeau, moi je prends. Ouais, un anti-brûle. Salut. Bon, c'était cool, mais... Non, y a personne là-dedans. Est-ce que c'est vraiment Jadiel que je dois aller ou... Salut. J'étais un chasseur... D'accord. Hein? Attends. J'étais un chasseur des phénomènes paranormaux, c'était... Non, c'est pas là, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas toi. Je me suis dit phénomènes paranormaux, il aurait peut-être un rapport avec... Toi. D'accord. D'accord. Genre, c'est une blague. Ah, un petit art. Moi, j'ai mon rapace de pique normal. Salut. Ouais, ma femme, ouais, d'accord. Débarrasse-moi de ces baies. Oui. Oh, on a des baies. Ça change. 5 baies marrons. D'accord. Alors, faut que je trouve Shibana. Alors, un endroit où je suis jamais allé. Réfléchis. Merde. Réfléchissons. Argenta. C'est quoi ici? Aquilamo. C'est quoi ça? Ruine éclipse. Ok, c'est par là. Je pense que c'est par ici. Ok, on est Argenta, c'est bon. Pour moi, il n'y a pas de doute. Hein, c'est que par là. J'ai jamais vu ça sur la carte avant. Tac, salut. Ah! Bon, bah, c'est peut-être pas ici en fait. Un endroit où je suis jamais allé. Attends. Tu veux pas me dire que je peux aller à la caverne azurée quand même? Il y a une vieille dame. Ou chez Léo? On n'a pas été chez Léo, je crois. Bah si, on a dû y aller forcément. Réfléchissons, réfléchissons. Pas une grotte ici. Trouver Shibana, ouais. Comme trouver une aiguille dans une botte de foin. J'aurais peut-être dû ramener coupe, tiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? C'est fermé. Il faut la clé? Un endroit où je suis jamais allé. Un endroit où je suis jamais allé. Peut-être par là, la centrale? M'a dit un milieu reculé. C'est pas facile, hein, c'est une grosse énigme. Hop, on fait que passer. Salut. Là, je pense pas. Ah, ça m'intéresse. Bonjour. Il y a quoi ici? C'est l'usine de combat là, des bâtiments de la zone. Ah. Peut-être ici? J'aimerais tant y rentrer, mais je n'ai pas de... J'espère le point. D'accord. Salut. D'accord. Il n'y a pas un objet derrière. Bon, bah déjà, c'est une zone qu'on n'avait pas vue, ça. Why not? J'ai l'impression des fois de rater des trucs. Alors, la centrale. Ouais. Salut. D'accord, je... Mais comment je me suis retrouvé si loin de Carmas-sur-Mer? Alors, on est Lector. Je sais pas si c'est normal, mais... Ouais. Cagneur. Niveau 57. Il est dans les niveaux. Déjà... Ouais, enfin... Il est dans les niveaux auxquels on est. Donc ça veut dire que c'est potentiellement par ici. Je crois pas être trop débile pour faire cette conclusion-là. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle serait avec Elector? Pourquoi pas? Si on peut capturer Elector, moi je dis oui. Après, est-ce que je peux le capturer? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on peut, enfin... Est-ce qu'ils vont pas me dire, non, rentre chez ta mère, quoi. On va prendre boost, ça sert à quoi déjà boost? Ouais, non, c'est la merde. Oui. Tartare.
Ouais, j'aurais peut-être dû changer. Mais qu'est-ce que Shibana foutrait dans une centrale? Ah, pour les ondes électromagnétiques. Hey, tu vois que j'ai pensé à tout, ou pas? Ça marche aussi comme ça. On va sauvegarder parce que si on doit affronter Elector, on n'est pas dans la merde. Tac, Pokémon, on va mettre Lucario devant. Non, allô? Allô? Yo! Ah, faut que je... Ouais. C'est l'heure de la pause. En même temps, c'est un boulot plutôt tranquille. Tout roule tout seul. On ne peut jamais relâcher notre... D'accord. Et je fais comment? Chaque région... D'accord. Oui. Ah, monsieur! Monsieur Lector! Si vous... Non? Ah, tu penses que c'est juste un logo? Je me serais fait bait? Pourquoi il y a un PC ici? Pourquoi est-ce qu'il y a un PC ici? Est-ce que je peux toucher des trucs? Ces générateurs, ils fonctionnent très... Ouais, d'accord. Mais c'est de la merde, en fait. Ok, donc c'est pas ici. Un endroit que j'ai jamais visité. Bah, les îles écume. Bah, si, j'ai visité les îles écume. Cramoisi. Ok, la tour d'eau. Tous les coups, c'est par là-bas. Sauf que c'est où, ta tour d'eau, là? Oh mais c'est tellement dégueulasse de faire ça. Oh là là. La musique est cool. Un endroit reculé et tout. Mais oui, ça peut être que ça. C'est pas ici par contre. Par contre, il peut y avoir des Pokémon cool à mon avis par ici. Je vais où en fait là? Je vais affronter Lugia. Je vais à Johto. Salut. Non, c'est pas en bas, évidemment. Fallait le voir qu'il y avait un labyrinthe juste à côté, quand même. C'est impressionnant. Là, tu montes. Là, tu vas ici. Je sais pas où tu vas, après. Faut aller par où? Et on peut sprinter, c'est vrai. Ok, faut faire le grand tour. Miaou. On a vu qu'il y avait la terre ferme par là-bas. Piou. Hey, hey! Tous les coups, c'est par ici. On va sauvegarder parce que je sens qu'il va y avoir un truc sympa là-dedans. Je viens de réaliser que j'avais pas Pikachu, donc je vais le prendre. Ouais, j'ai fait tout ce chemin pour rien, mais c'est pas grave. On s'en fout. Toc. Hop là. Go. Piou. Merde, non, c'est pas ici. Faut voir le petit chemin fourbe aussi, hein. C'est la fourberie. Hop. En plus, le chemin n'est pas des plus simples, hein. Hop. Toc. Non, c'est par là. Non, pas du tout. C'était au bout. Hop. Là, on va à droite. Je vais aller descendre encore. Autant pour moi. Allez, go, 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 go. Voilà, on est revenu vite. Hop là. Oh, toi, intrépide dresseur, tu souhaites pénétrer dans la tour d'eau, lieu béni par les Pokémon cieux. Nul ne peut entrer sans réunir les conditions. Que souhaites-tu faire? Voir les conditions. Pour entrer en ce lieu. Tu dois avoir 6 Pokémon sur toi, tu dois posséder 7 badges de Kanto. Les conditions suivantes seront appliquées. Les Pokémon eau seront plus rapides. Les Pokémon feu seront plus lents. Les Pokémon électriques seront plus forts. Les Pokémon sol seront KO. Les Pokémon roche seront KO. Les Pokémon plantes gagneront plus que 10 XP. Nul ne peut entrer. Entrer. Donc Nidoqueen est KO? Ah, c'est génial! C'est génial. Enfin, j'ai trouvé la tour d'eau.
Le Lotus Tour est apparu il y a 11 ans lorsque l'intensité de la bataille entre Kyogre et Groudon avait atteint son paroxysme. La plaque tectonique du lieu de leur bataille est identique à celle-ci. Le sol s'est littéralement ouvert. Lorsque Rayquaza a mis à terme à cette bataille, il ne pouvait pas laisser cette terre ravagée. Il a donc créé cette tour d'eau. Sinon, je peux aussi soigner tes Pokémon. J'ai apporté assez de matériel pour ça. C'est génial. Donc Pikachu est plus fort. Ah, il me faut Cascade. On va voir si Pikachu est vraiment plus fort. Cette tour regorge de Pokémon eau, incroyablement puissant. C'est génial. C'est trop bien fait. Reliquante. Il est pas roche, lui. Bon, bah, je pense que je one-shot, je suis plus fort. Pas du tout. Mais en fait, c'est de la merde, ça marche pas. Est-ce que je suis plus fort? Mon cul, ouais. Bon. Ça dépend en quoi tu t'es censé être le plus fort. En défense, en attaque spé, voilà. 2206. Pas mal. 2350, c'est pas mal aussi. Hop, on monte. On va essayer d'éviter les dresseurs, puisque visiblement, ils sont costauds. Même si c'est pour Pikachu... Hop, on va monter. Ouais, mais il y a un peu de monde dans ton truc là. Visiblement, il n'y a rien par là-bas. Esquive. Là, il y a un item sur lequel je peux pas accéder. Peut-être par là-bas. Merde, il m'a vu. Il y a un item qui est. Ouais, à mon avis, on peut trouver des items cool là-dedans. Basile. Maril. Maril, Basile. La bande à Basile. Pardon. J'ai dit chanter. Allez, tonnerre. Ah, si, ça fait des dégâts quand même. Bon, après, c'est Maril, mais. Après, Reliquant était très défensif aussi. C'est peut-être ça qui jouait aussi. Donc, est-ce que je peux aller par là? Ah, bah oui. Pourquoi j'y suis pas allé? Qu'est-ce qu'on a? Une hyper potion. Ah, hyper ball. J'étais pas loin. Il y avait le mot hyper, c'est déjà pas mal. On ne crache pas là-dessus. Hop. Oui, on utilise toujours. Moi, je prends tous les items que je peux. Hein. Écoute, je suis sûr qu'il y a un truc sympa à l'intérieur. Une pépite. Bah voilà, une pépite, c'est cool. Hop, on va essayer d'esquiver ça. Bon, bah visiblement, il n'y a rien à faire ici. Mais d'où tu m'as grillé? D'où? Après, est-ce que c'était le bon chemin? Ça, on n'en sait rien. Corayon. Corayon, ça fait chier quand même. C'est super efficace normalement, non? Oh, paralysé. Telluriforce. Au calme. Elle résiste. C'est bizarre, c'est pas stabé, on aurait dû résister normalement. Les Pokémon. Non, les Pokémon feu seront moins forts. Les Pokémon plantes gagneront plus d'XP. En fait, ils valorisent les Pokémon qui. Bah, qui sont forts en fait. Qui sont forts à la tour d'eau. C'est bizarre quand même ça. Moi, j'aurais fait l'inverse. J'aurais fait genre les Pokémon. Oh putain, si j'avais Pikachu. J'aurais fait genre les Pokémon feu sont moins forts, mais ils peuvent gagner plus d'XP. Et genre les Pokémon électriques gagnent beaucoup moins d'XP. Pourquoi j'ai fait Dance Lame? Surtout que la close combat elle va servir à rien puisque je vais mourir! Putain. Faut déjà y voir l'autre pour me soigner. L'acro-givre. Il saute. Why not? Danse Draco. Il utilise rebond. Bon, il me tue pas. Hein. Ah, je suis paralysé par contre. Putain, fichier. Du coup, je peux plus utiliser de. Ouais. Faire gaffe à ça. Ah! La danse Draco. On va placer une deuxième, hein, c'est pas grave, tant qu'il saute. Allez, l'acro-givre qui va tuer. Je suis à plus d'en attaque, plus d'en vitesse.
Bon, je suis paralysé, mais ça c'est un détail. Carvania, tu fais chier. Morsure. Il a la peau dure, donc je vais prendre un peu plus de tarif, mais... Ah, il utilise ténèbres aussi, autant pour moi. Ça va. Est-ce que l'hydroqueue va tuer? Oui! Pas mal, pas mal. Oui, bon, bah ça... ça, c'est obligé, de toute façon. Ouais, on a gagné. Avec deux Pokémon morts. Hop. Salut. Non, c'est pas ici. Après, je me demande si... D'accord. Attends, me dis pas qu'il faut cascade. Je l'ai pas, cascade. Non, il me l'aurait dit, sinon, s'il fallait cascade. Oui, non, mais tu peux soigner mes Poké. Oui. Merci. Ça fait 26 minutes déjà. Oh, j'ai envie de continuer, moi. On va continuer un petit peu. Ok, toi, tu vas pas m'avoir. Salut. Il y a un objet. On l'a tous vu. Corde sortie. Oh, pas mal. Il n'y a rien là. C'est de la merde ici. Mais c'est de la merde. Il y a quoi tout au fond? Bah, c'est pas par ici apparemment. Toc. Alors, est-ce que je peux passer? Non, je peux pas par là. Donc ça sert à rien d'y aller. Dépêche-toi, dépêche-toi. Hop là. C'était tendu. Non mais je peux pas passer par là, on est d'accord. Donc je suis obligé de passer par là. Dans un sens. Mais il n'y a rien par là. Je suis pas idiot quand même. Là, il y a un pauvre montagne. Bah, à mon avis, il doit me donner un... Oh oh, quelqu'un par ici plus tard. Et tu fais quoi ici? Quoi? Tu vas aller au sommet? Il n'y a que deux moyens. Soit tu fais l'escalade, soit tu montes les cascades. Il va me donner cascade. Ok. Comme quoi, faut s'intéresser au dresseur. Ah oui, non. Je suis perdu. Effet séisme. Voilà, ça m'affecte pas. Ça c'est fait. Je suis type vol. On va essayer de trouver un petit peu un arrangement. Hop là. Gravalanche, je sais pas type sol. Je crois pas, il est peut-être que type roche. Parce que sinon il devrait être KO déjà. C'est de la triche d'amener des Pokémon roche. Et gros lème. Y'a pas de soucis. Bon, au pire ta fermeté, mais bon. Ça je peux pas prédire. Tout 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 tout. Eh ben non, t'as pas fermeté. Tant pis pour toi. Alors. Bah tiens, c'est pour toi. Bah il me donne cascade, c'est parfait. Alors, est-ce que je peux apprendre cascade à un Pokémon sympa? Alors, bah il y a juste lui qui peut. 90, 90 c'est physique, 80 c'est 100. Oh, on va virer Hydroqueux, c'est pas gênant. On perd un petit peu en puissance, mais on gagne en précision et on a plus de PP, c'est pas mal. Tac. On va essayer d'avancer quand même. Il nous reste un petit peu de... Bon, un petit peu de temps, entre guillemets, mais... Hé, hey, tu veux bien? Merci. Hop. Oui. Alors j'imagine qu'il faut que je passe devant toi. Je vais serrer. C'était pas dur, c'était pas facile. Je voudrais remercier mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs. Hop là. Allez, donne-moi une CT. Un super bon. Oh, je prends aussi. Je ne crache pas dessus. On ne crache pas sur les bonbons quels qu'ils soient. Tac. Ici, il doit y avoir un truc, une CT. Donnez-moi des... Genre, mais non.
Bande d'enfoirés. Bien joué, bien joué. Je l'ai pas vu venir celui-là par contre. Je m'y attendais tellement pas. Moi je voyais un objet, je fais objet, allez. J'ai foncé dessus, mais comme la misère sur le pauvre monde, quoi. Si tu veux, j'ai aucun changement de stat. Ah, ça fait mal. Waouh, il l'a paralysé, c'est gentil. N'en fais pas de trop non plus, hein. Bon, tu vas gagner plus d'XP au moins. Alors, montre-nous ce que tu gagnes comme XP. Ouais. Je vois pas tellement la différence. Non, cela. Le midlife, pas mal. Le close combat. Qui fait plus du midlife par contre. Et tu le tues, le tues, le tues, le tues, le. Voilà! Ça, c'est un bon arcana. C'est un beau chacha, ça. C'est un beau chacha. Tac. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un véritable objet quand même? Non. Tant pis. J'aurai test. Toi, tu m'auras pas. Faut aller par là, du coup. Faut que je l'esquive aussi, lui. Hop, comme ça. C'est pas dur. Hop, on peut. Alors, est-ce que c'est un piège? Deux, ça aurait été vraiment. Ça aurait été propre, hein, par contre. Hyper potion, cool. Ah! Merde. Minute, Fluffy. Haha, piou, j'ai enfin pu te rattraper. C'est fou comme c'est grand ici. Mais passons, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ton genre de traîner dans les lieux pareils. Ah, je sais, tu me cherchais, hein. Eh ben, je suis si populaire. Quoi? C'est pas pour ça? Alors, ça doit être parce que tu cherchais. Un sandwich! Ça m'énervait. J'aurais dû m'arrêter. Allez, Leaf, on va se battre. Volcaropod. Au 56. Rafale Psy. Ça fait mal par contre. Oh, même pas. Pourtant, j'ai pas une si grosse défense. Bon, bah tant mieux, écoute. Fortress. On va essayer d'aller vite. On a 33 minutes d'épisode. Visiblement, on est sur la bonne voie. Lance-la. C'est x4, je pense que tu meurs. Hein. Sauf si t'as fermeté. Et tu n'as pas fermeté. 1205, Junko. Bon, on reste, écoute. Oh, c'est un Junko, toi. La souplesse. Qui fait un mal, un peu quand même. Ok. Nice. Petit one shot. Niveau 57. Brazegali. J'aurais dû mettre Mentali. Tant pis. Et le prochain, c'est la grogne. Danse Draco. Bon, je pense qu'on peut se setup. Rapace. Bon, il va se faire des dégâts, écoute. Cascade. Easy. Easy, easy. Et le Lagron. Cascade. Est-ce que je le tue? Non, je pense pas. Ok, il se tue lui-même. Eh ben, c'est parfait. Bon, bah, c'était pas dur. Hein. C'est pas vrai, pas encore. Pas mal d'argent. Tu as progressé visiblement encore. Bien, je vais m'entraîner aussi. Figure-toi que comme l'arène de Jania était fermée, j'ai eu mon 8e badge dans une autre ville.
Et ouais, je vais me rendre de ce pas au plateau Indigo et crois-moi que c'est moi qui gagnerai la conférence Indigo. Bon, à la prochaine. Donc elle est dans une autre ville. Why not? Ah, Shibana. Oh, c'est toi. Floffy, c'est bien ça. On s'est vu à la tour Pokémon, si je me souviens bien. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Je vois. Donc des personnes sont rendues folles à l'avant-ville. Malheureusement, mon chef m'a interdit d'y retourner, sous prétexte que j'y passe trop de temps. Voyons, tu devrais aller voir un ami à moi. Il doit se trouver à Jadiel en ce moment. Écoute-moi bien, Fluffy. Cette quête s'annonce difficile et tu pourrais y laisser la vie. Carrément. Si tu ne te sens pas capable de l'accomplir, ne va pas à Jadiel. Sur ce, je vais prévenir mon chef, nous nous reverrons sûrement. Au revoir. Waouh. Ça, je pense qu'on est tranquille. Il me faut maintenant rencontrer l'ami de Chibana à Jadiel. Eh ben, on va rester sur cette jolie vue. Même si ça bouge pas trop. Mais voilà, je trouve que c'est classe quand même comme lieu. Et on va s'arrêter ici pour cet épisode. On aura duré un petit peu plus longtemps, mais c'est pas grave. C'est pas gênant, ça fait que du contenu, c'est que du bonheur, comme on dit. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce vert, un commentaire, à vous abonner, à partager. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous retrouve dans le prochain épisode de Pokémon Prism. Sur ce, merci d'avoir regardé, portez-vous bien. Ciao!